Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Oh non, 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 non. Faut trouver une façon que ça soit tout le temps beau, hein, la vie. Donc, c'est... Hey, en passant, j'ai dit ça de même, c'est un inside, là. Regarde. J'ai reçu des messages privés. Comme la plupart des gens qui me suivent, ils savent que je suis un gars assez high, un gars qui aime... J'ai une joie de vivre naturelle en dedans de moi, puis je m'arrange pour la créer continuellement, avoir du fun. Puis mon but de partager mes vidéos, puis ma bonne humeur, mais c'est de rendre des gens plus heureux. Puis si je peux les rendre des gens plus heureux, mais tant mieux. Donc, des fois, j'ai reçu des petites vidéos... Excusez-moi, des petits messages privés me disaient « Chris, Meg, est-ce que ton vidéo tombait juste à point? » T'avais le parfait timing pour ton vidéo, j'ai cliqué dessus, t'as fait ma journée. Mais ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Mais là, j'ai reçu des messages privés sur des vidéos que j'ai mis sur YouTube disant « Hey, le gros, ferme donc ta crise de gueule avec ta bonne humeur. Ferme donc tes hosties de vidéos de marde, hosties, blablabla. » OK. Donc, j'aurais pu répondre avec une communication antagoniste ou colère, mais j'ai décidé de répondre avec ceci. Merci pour ton commentaire. Je te souhaite une excellente journée et j'espère que l'année qui s'en vient va être une meilleure année pour toi. Je ne rentre pas dans cet antagoniste-là parce que j'ai envoyé de l'admiration. Elle donne absolument rien de rentrer là-dedans. C'est sûr, quelque part, ils te disent « Ouais, je fais des beaux messages positif, t'inquiète, c'est du positif, sacrément. » Puis le gars, il me donne un petit char de merde. Mais regarde, le gros, si tu l'aimes pas la vie, là, mais va-t'en en Afrique, tabarnak, le gros, puis va cultiver des patates, sti. Donc, c'est ça. Puis sur ceci, mais passez une excellente journée, puis on continue. On va virer ma webcam d'abord. Bonne journée.